et qui nous remplisse de l'eau, donc le gros bleu, sur notre onction. Cette onction qui était là, je ne sais pas si, ça ne va pas encore se produire, mais j'ai senti qu'il était là. Alors, est-ce que vous pouvez encore d'autres campagnes en ces lieux? Non, nous ne pensons pas comme ça. Nous pensons que, suite à la vision que nous avions, la vision que Forum avait vue, qu'il comptait rentrer à Dinoua. Je dirais, je pense pas que nous devons fuir ces gens-là. Parce que moi, je pense qu'il faut affronter ces gens-là. Pour faire ces gens-là que Dieu les persécute. Il faut leur montrer ça. Mais quand même, pour les deux jours-là. Mais les deux jours ici. Il y a eu quand même des gens qui ont donné des guérisons divines. Je pense que Dieu nous a consolés. Moi, Dieu a enlevé nos pleurs. Et je ne peux pas dire que. Je ne sais pas comment exprimer ma joie. Mais je sens que dans mon cœur, moi, je suis très content. Très content parce que. Et toutes les dépenses que vous avez engagées, vous les avez. La première église des Congolais qui organise une campagne à la France. Une campagne, non pas dans mon église, mais dans l'endroit où Frère Oham a prêché. Nous sommes les premiers. Même à l'Afrique du Sud, nous sommes les premiers. Il y a des Indiens, il y a des Blancs, il y a des Kalati, tout ça. Mais faire des campagnes ici, non. Ça peut être que. Bon, je vois des conférences se faire ici. Je vois des réunions de la foi de Dieu se faire ici. Mais la campagne, je crois que nous avons essayé de faire quelque chose. Bon, c'est pour moi une soirée, deux soirées, on ne peut pas les oublier. Jamais. Et les frères ont contribué, ils ont donné ce qu'il faut comme argent pour que la vie fasse ça. Alors, pour tous les gospel causes qui vous suivent en ce moment, en Europe, partout, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Merci Gospel Cause parce qu'il a ouvert un espace. Et maintenant ici, les gens parlent de Durban. C'est la première fois peut-être qu'ils vont voir Durban. On parle de Cape Town, on parle de Djobo, mais maintenant, Gospel Cause nous a permis et il nous a fait voir que nous existons. Et moi je dis toujours que si quelqu'un vient en France, il vient de Cape Town, il vient de Djobo, mais il ne vient pas de Durban. C'est comme quelqu'un qui parle aux États-Unis. Visite New York, visite tout ça, mais visite pas Jeffersonville. Si un frère de message, il visite pas Jeffersonville, il n'a jamais été en Europe. Mais nous, on demandait est-ce que tu étais là où vraiment apprécié? Tu étais là où vraiment dormi? Mais toi, tu es ici là où vraiment apprécié. Merci à vous tous. C'était Billy Kungomeyonga depuis la place Hippodrome à Djoubon pour gospelcause.net, votre carré.